Salut à tous, The Mister Liopal, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre Let's Play, enfin oui, Let's Play, on peut dire ça, sur Portal 2. Et donc aujourd'hui, je suis en pleine forme pour déglinguer GLaDOS, puisque comme l'a dit Wheatley dans le précédent épisode, on va enlever les neurotoxines et les tourelles de la surface de la planète Terre. Donc c'est parti. Oh, parfait, vous avez réussi à passer. Suivez-moi, on a encore du boulot. Ici, au moins, elle peut rien nous faire. Que se passe-t-il? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très très dangereux. C'est parti. Ah! Oh, punaise! On m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout! Non mais, sans blague. À quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser? C'est complètement débile! C'est clair. Ouh, il fait rudement sombre ici. Tu viens juste de le remarquer. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs. Qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi il crie. C'est terrifiant, je trouve. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Attendez, que je vous éclaire avant de sauter. Ouais. Ça doit faire mal. En Minecraft, on serait déjà... Ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Oula. Oh, bien vu, ça. Je viens de mourir. Oh, bien vu, ça. Et il est sympa. Oh non, mais lol, je viens de mourir et il dit que c'était bien vu de faire ça. Ah non, non, j'ai mal joué, j'ai pas sauté. C'est terrifiant, je trouve. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Là, je lui ai fait louper une phrase. Ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Oh, bien vu, ça. Tu tiens la lampe. Alors, on essaie de passer sans se faire tuer par ces trucs. Vite, par ici! Ah! Non, il m'a bouché la vue! Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contremaître a choisi? Je vous le donne en mille. Un de ces clones. Si c'est pas du favoritisme, ça. Au final, j'ai comme du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. C'est... non, pas gros sacs. M'occuper des humains tout court. Je suis désolé, c'est sorti comme ça. Gros sac d'humain, ça manque un peu de tact. Voilà, c'est vrai que ça manque du tact. On y faut, nous on y va franco. Non, ne me dis rien. Ok, il y a un autre mur par ici. Non, franchement, plein de phrases. Les humains, je les adore. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve, et leur folklore très exotique. J'aime beaucoup. Vous allez voir la création d'une tourelle. Alors c'est assez impressionnant. Moi je trouve que... Voilà. Voilà, c'était la création d'une tourelle par Aperture Science. J'espère que cela vous a plu. Bon, alors, moi je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance!
Bah non. Oh, pas possible. Je dois taper. Non, tombe pas. T'es gentil. La tourelle, elle ne tire pas dessus. Encore heureux, parce que sinon, ça serait longtemps que ça casser la figure. Oh bah non, il y a la messe qui sonne. Enfin, il y a l'église qui sonne, parce que la messe, un lundi. Bon, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Ah là là là, chargement. Bon, ça va commencer à être intéressant. Enfin. Ah non, même pas. Si. Et vous, on va voir. Chaîne de rédemption des tourelles active. Veuillez ne pas solliciter les tourelles en chemin vers la rédemption. Oui, donc là, à partir de là, il commence à avoir beaucoup, les beaucoup de moins de. Les tourelles ne sont pas un moyen de transport. Bah, si, pour moi, c'est un moyen de transport. Et je m'en fiche. C'est parti, ouais. Une tourelle. Ah oui, c'est vrai, on peut la sauver, c'est vrai. Moi, j'ai un truc que j'adore faire avec cette tourelle. Non, ne meurs pas. Tu es toujours vivant. Tu as réussi le test. Elle peut pas nous attaquer. Bonjour. Oula. Il y a eu un drôle. Bonjour. Moi, j'adore faire ça. C'est vilain, mais bon. C'est une tourelle. Elle aurait fait. Alors. On va essayer d'aller derrière parce qu'il y a des tourelles qui marchent. Et des tourelles qui marchent pas. Et là, on est derrière. Oh là, je suis bloqué. Vous voyez là, si on passe au moment où ils sont là, ben c'est pas pratique. Modèle. On va juste faire un truc. C'est toujours pratique de prendre une tourelle. Hein. Modèle. Réponse. De rien. Bah t'es devant, bah tu regardes Fache. Modèle. Réponse. Et là il y avait qui va arriver par là. Ah parfait, modèle. Vous avez réussi à passer. Oui, tu suis là. Vous allez adorer. Ouais, j'adore les trucs que t'adores. Ta-da ! Le centre de contrôle des tourelles. Eh oui, rien que ça. Tenez, modèle. Vous voyez ce scanner là-bas. C'est lui qui gère les tourelles à garder et celles à jeter. Et il utilise comme modèle cette tourelle étalon, là. Si on la retire, toute la chaîne de production s'arrêtera. Bon, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Technique, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Modèle. Bonjour. Réponse. Bonjour. Tournez-vous. Aïe, piraté. Modèle. Ouais, c'est ça. Ok, allez-y, retirez cette tourelle. Putain, c'est ça. Aïe, piraté, c'est pas du piratage. Bon, ah, ça devrait faire l'affaire. Modèle manquant. Recours aux données mémoire. Castagne. Ah, ça n'a pas fait l'affaire. On va la poser. Qu'est-ce que vous avez on là explosé. On a ça. Alors, je vois plus rien. Dans le doute, je tire. Voilà. Donc en fait, le troll là. En fait, ce qui se passe, c'est que là, ils arrivent toujours à faire le modèle en fait, même s'il n'y a plus la tourelle. Et du coup, on va utiliser la fausse tourelle. Et comme ça, ça sera inversé. Les fausses tourelles seront mises à la place des vraies tourelles. Oh mais oui, c'est génial. Nouveau modèle accepté. Regardez. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Ok, surveillez la chaîne de production. Je vais pirater la porte. Regardez bien, va voir. Je vais commencer le piratage. La vraie tourelle va. C'est un peu plus coton que ça n'en avait l'air de votre côté. Il va me falloir dans les 10 minutes. Modèle. Okay. Gardez un œil sur la porte. Réponse. Les vraies tourelles sont très trucs. Tiens, la porte est ouverte. C'est compliqué cette porte. Ah oui, ok, la porte s'est ouverte, mais en fait, c'est bon, c'est terminé. Whitley n'a pas remarqué, il essayait de la pirater, mais en fait, elle était déjà piratée. Ah. Salut. Oh, elle était ouverte depuis combien de temps? 5 minutes. Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre? Une sonnerie, une alarme, une alerte piratage? Non. Enfin, l'important, c'est que ce soit ouvert, mais à l'avenir, ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. La porte est ouverte, Whitley. Ça, c'est fait, elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Ah oui, le générateur, j'adore ce moment. Pas franchement un succès. La journée parent-enfant. Petit tour. Et 40 batteries patates. Je trouve ça honteux.
C'est vrai, quoi. Enfant ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas ça de la science. Un volcan au bicarbonate de soude. Au moins, c'est pas une batterie patate, c'est déjà ça. Mais ça vole pas très haut non plus, c'est de la physique-chimie niveau CP, CE1. J'imagine que... on doit pas ce chef-d'œuvre au gamin d'un des chercheurs. Sans vouloir jouer les snobs, ça sent le travailleur manuel à plein nez, hein. Attention, je dis pas qu'ils sont moins bons que les pros, juste beaucoup plus bourrins. Oui. Ça pousse carrément jusqu'au plafond. Tout le centre doit être infesté de patates à l'heure qu'il est. Au moins, vous aurez de quoi manger. Et le truc... qui est assez fou quand même, c'est regardez bien. By Shell. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais Shell, c'est le personnage qu'on incarne. Donc, ça veut bien dire que Shell est la fille d'une personne de Aperture Science. Et donc, si vous connaissez pas l'histoire, hein, apparemment, il y aurait eu. Ce qui se serait passé, bon, c'est une fiction, hein, mais d'après toutes les histoires qui ont été dites avec Portal et tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la journée par enfant, justement, ben, Shell s'est fait. Enfin, tout le personnel a été tué et il y a eu des. Je suis tests sûr qu'on est sur le bon chemin, histoire de vous rassurer. À cause de GLaDOS, en fait. Si vous voulez en savoir plus, il faut que vous alliez voir Portal Prélude, voilà. Ou que vous y jouez, carrément. C'est un jeu un peu dur. Tiens, mes portails, ils sont là-bas. Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ouais. Ah tiens, c'est pas par là. Ah bah... bon, essayons par ça, quoi. Ouais, alors vous allez voir le fameux... générateur de neurotoxines. Je s'appelle comme ça, nous on va l'appeler le générateur de neurotoxines. Et bah, on va essayer de l'avoir. Enfin, de l'avoir, pas de l'avoir, mais enfin de le détruire. Pour que GLaDOS ne nous tue plus avec ça. Même si il ne nous a jamais tué avec les neurotoxines. Il est où, okay. Et regardez. Ah, j'étais sûr qu'on était sur le bon chemin. Voilà le générateur de neurotoxines. Je ne croyais pas aussi gros. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Et il y a ouais. Une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça. Donc voilà, vous voyez le générateur de neurotoxines qui est... Ouh, joli, j'avais pas vu ça. Il y a de grosses neurotoxines en bas. Mais en tout cas, le générateur, comme vous voyez, c'est un gros truc de malade. Là, vous me dites chargement. Eh bien non, pas chargement. Nos bébés. Je devrais pas rire. Ils ressentent la douleur. Une simulation, en tout cas. Mais pour eux, ça doit être bien réel. C'est les tourelles. Normalement, c'est les fausses tourelles qui sont montées, mais comme on les a inversées, eh bien, ce sont elles. La porte est verrouillée. Impossible de la hacker. Hé, on sait pas à quoi il sert, bouton. Ah, la porte est ouverte. Bravo. Bonne nouvelle. Je peux me servir de cet équipement pour désactiver les émetteurs de neurotoxines. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a un mot de passe. Ah, une alarme. J'en fais mon affaire. Vous inquiétez pas. Tenez, faites un petit break le temps que je m'en occupe. Alors on va tout détruire. Vous sentez pas des neurotoxines? Tenez bon, les niveaux de neurotoxines redescendent. Attendez, il y a un problème. Le niveau de neurotoxines est monté à 50%. A descendu. Il est descendu à 50%, c'est super. Et ça voilà. Neurotoxines à 0%. Yes. Attendez. Oula, attention. Alerte, les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. C'est dommage, hein. Allez, explose! Et boum! Ah, c'est comme les sous-traits. Oula! Ah, le tube est cassé! On peut arriver directement jusqu'à elle! Je dois pas plus te dire, vite! J'arrive! Wouhou! Ah, c'est trop classe. Et là, vous êtes prêts? On va voir une scène... Enfin, moi j'aime bien cette petite. Il va y avoir une petite scénette là avec Quickly qui est bien sympathique. Vous allez voir. Si le chargement veut bien. Allez. Voilà. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. J'arrive pas à croire que je suis là. Ah, j'étais sûr que ce serait rigolo. Il m'avait dit que c'était pas rigolo du tout. Alors forcément je les avais cru, mais au final, c'est super fun. J'adore.
C'est immense ici. Et encore là, c'est juste la strate supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été muré il y a des années, bien sûr. On doit plus être très loin. Oh, elle va tirer une de ses tronches. Les neurotoxines en rade, les tourelles qui déconnent, ça va être funky. Attention, il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Ah, je vais dans le mauvais sens. Rejoignez-la, je vous retrouve. Et donc voilà, ça y est, ça va être le moment tant attendu. On va enfin désactiver GLaDOS. Et là, ça va vraiment swinguer, j'adore ce moment. C'est mon moment préféré de tout le jeu, si vous voulez savoir. Avec une musique sublime derrière. Enfin, une sublime, non, peut-être pas, mais qui est très bien. C'est parti. Yeah. Donc Wheatley a été séparé à cause des cubes qui allaient dans l'autre sens. Donc là, on va pas passer. Donc on va tirer... là-bas. Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau. Sans mentir, c'était du gâteau. J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là. Si j'avais su que vous vous feriez capturer comme ça, je me serais contentée de faire pendouiller une cuisse de dinde du plafond. Oh oh. Ah! Et oui. Bon, tout ça c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses. Le plan ne s'est pas passé comme prévu, apparemment. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. Donc, au futur, passe non, pour les sérieusement, adieu. Oh, j'ai mouru ! Le carteur de gloire ! Ça, c'est ton... Oh, non, encore ! Ça va. Parlez à tirer. Oh, vous n'avez pas chômé, on dirait. Eh bien, non. Bien, j'imagine que nous pourrions rester là, nous regarder en chien de faïence, jusqu'à ce que quelqu'un tomberait de mort. Mais j'ai une meilleure idée. Votre vieille amie, la neurotoxine, c'est peut-être le moment ou jamais de reprendre votre souffle. Enfin. Bonjour. Je vous hais cordialement. Alerte cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi ? Mais non, je me porte à merveille. Yeah. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle ! Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Allez-y ! Transfert de noyau ? On y va ! Dites-moi que c'est une blague. Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution, démarrez la procédure. Ouais. Cœur corrompu, démarrez la procédure. Non. Oh, si elle l'est. Non. Temporisation détectée. La procédure de transfert ne peut pas continuer. Oui. Débranchez-moi, sauf si un détemporisateur qualifié est en mesure d'appuyer sur le bouton de résonance. Laissez-moi brancher. Allez, appuyez. Ne faites pas ça. Pas si vite. Réfléchissez bien. Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifié. Ne l'écoutez pas. C'est vrai, vous n'êtes pas qualifié, mais vous avez quelque chose de beau. Regardez ça, va. Un doigt qualifié pour appuyer sur ce bouton et l'empêcher de nous tuer. Usurpation de temporisateur qualifié. Je m'en fiche de ce que tu dis. Temporisation résolue. Allez, rebondis. Oh. Venez regagner la baie de transfert de cœur. C'est parti. Ouais, mais et si ça fait mal? Genre, très mal. Mince alors, j'y avais pas pensé. Oh ça oui, vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça ça va vraiment faire mal? Vous dites ça comme ça, hein? En fait, ça va pas faire ultra mal, pas vrai? C'est-à-dire sur les gâteaux. Je vous demande de vous arrêter. Non, arrêtez. Qui est tout commande à présent. Ah, non mais sérieusement, je suis sacrément cool en robot géant, pas vrai? C'est petit pas la classe. Ah oui, c'est vrai, l'ascenseur. Je l'appelle tout de suite. C'est où? Ah oui, c'est l'ascenseur. C'est parti, l'ascenseur arrive. C'est fou comme vous êtes toute petite vue d'ici. Vous savez quoi? Je savais que ce serait cool d'être aux commandes, mais... Oh, là, c'est cool. Devinez quoi, je suis un génie première. Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual.
Je sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Oh, pardon, l'ascenseur, oui, j'oublie toujours, désolé. Oui. Sérieusement, il est pas croyable, ce corps. J'en reviens pas comme vous êtes minus. Mais moi, je suis énorme. On est vraiment obligé de partir tout de suite. Vous savez à quel point ça peut être jouissif. C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit nabo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Exactement. Ah tiens donc, c'est ce que vous pensez de deux, hein? Alors il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Et vous là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis signé au 4 circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Que dalle. À part jouer les boss. Ouais, c'est ça. Et c'est qui maintenant le boss? Hein? C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Méchant! Ah! Vous avez vu? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans. Je me rappelle GLaDOS. Pardon ? Des ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus docile, pour me modérer. Un jour, ils m'ont même équipé d'une sphère cognito-réductrice. Elle s'est greffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un flux perpétuel d'idées idiotes. Non, je vous écoute pas. La la la. Elle avait votre voix. Non, non, vous mentez. Oui, vous mentez. T'as pas sur moi. Je vous jure que si, vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote. Alors, hein, si t'es l'abruti maintenant, est-ce qu'un abruti pourrait frapper comme ça? Hein? Est-ce qu'un abruti pourrait faire? Oh oh. Et oui, c'est ici que nous allons nous quitter. Donc je vous dis salut à tous, c'était The Mysterious Ball. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, salut.